Hier, l'OM débarque à 3 avec un objectif déclaré. Il faut gagner pour reprendre provisoirement la deuxième place du classement de Ligue 1. La première accélération est à l'initiative de Samir Nasri. En l'absence de Franck Ribéry, blessé pour au moins un mois, c'est ce minot de 19 ans qui doit donner l'impulsion. L'OM semble lancé, mais l'illusion est éphémère car c'est 3 avant-derniers du championnat qui donnent le rythme dans ce début de rencontre. 13e minute, David Gigliotti est contré par Habib Bey. Dans la foulée, l'Estac se crée une nouvelle occasion. Benjamin Nivet, seul au 6 mètres, bute sur Cédric Carasso. La défense de l'OM donne des signes de fébrilité. On arrive très facilement à nous déstabiliser, à nous mettre un petit peu dans l'embarras. L'inquiétude d'Albert Raymond est évidente. 18e minute, il vient de quitter son banc pour remettre de l'ordre dans sa défense. En vain, nous sommes dans la continuité de l'action. Une phase de jeu conclue par un but de Yann Lachuer, un joli numéro d'équilibriste. Je vois que c'est un ballon un peu haut. Je pense que j'ai la possibilité de bien voir la trajectoire du ballon. Je vois que Taïwo est un peu court. Et puis je mets en opposition mon pied. Et bon voilà, ça, j'ai un peu de réussite, mais ça fait plaisir. 3 ouvre le score et c'est logique. L'OM demeure fragile en dépit de sa victoire contre Valenciennes. Heureusement pour les Marseillais, la réussite est avec eux sur cette frappe de David Gigliotti. La première mi-temps est excellente, elle est rythmée, il y a des occasions de but. Et certes, le problème, c'est vrai qu'on peut se mettre à l'abri en marquant un deuxième but sur la première mi-temps. À un moment donné, quand on est moins bien, il faut un petit peu taper du poing sur la table. Il fallait montrer en deuxième mi-temps qu'on était des hommes, des vrais. Un surplus de virilité palpable dès la reprise avec une série d'occasions de but pour l'OM. 47e minute, Toifilou Maoulida place une première frappe à peine trop croisée. 2 minutes plus tard, Niang est au pressing et c'est Samir Nasri qui inquiète Ronan Le Crome. Et ce n'est pas fini, 52e minute, la pression se fait plus intense sur les buts de 3. Maoulida sert Mamadou Niang, dont le tir est repoussé par Le Crome. Marseille transparent en première mi-temps et métamorphosé. Il y a du progrès dans le jeu, mais pas dans l'efficacité. Alors l'OM insiste dans son élan offensif, persévérance, récompensé à la 62e minute par un but de Maoulida. L'attaquant n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 19 août à Auxerre. Le but est mérité pour l'OM, mais il aurait dû être refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Albert Raymond avait donc demandé de l'orgueil à ses joueurs à la pause. Michael Pagis est allé au-delà des consignes. Excédé par les coups qu'il reçoit, il riposte et se fait expulser à 20 minutes de la fin du match. J'en suis le premier malheureux pour le club d'avoir pénalisé comme ça du fait de cette sanction. Car cette expulsion prive peut-être Marseille d'un résultat plus favorable, mais à défaut de victoire, l'OM ramène un match nul en partie rassurant. Ce soir, on a fait une mi-temps de qualité, on a pris un point. Écoutez, on se soigne doucement, mais on se soigne bien.